Welcome to Las Vegas. Comme depuis 2017, je délocalise mes vidéos chaque début d'année depuis ici. Le CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon high-tech dans lequel beaucoup de marques présentent leurs nouveautés qui sortiront petit à petit au cours de l'année, mais aussi des prototypes, des concept cars. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est de la tech, on adore ça. J'ai découvert pas mal de nouveautés ici qui vont sortir ou pas, et on perd pas plus de temps et je vous en parle. Qui dit CES dit bien entendu Samsung, et cette année Samsung, c'est un peu leur CES puisqu'ils ont lancé énormément de nouveautés en produits mais aussi en prototype. J'ai pu les découvrir et ça commence avec Music Frame. C'est tout simplement un cadre photo audio. Oui, ça existe. En fait, ils sont basés sur ce qu'ils font déjà avec The Frame. Vous savez, c'est la télévision de Samsung qui se fond un peu dans le décor en étant un tableau avec des cadres qui peuvent changer et surtout un écran central mat dont on a, si on a envie, soit une télé, soit des œuvres d'art qui défilent. Et bien ici, Samsung s'est dit qu'ils allaient faire un peu la même chose, mais cette fois-ci pour l'audio. Donc on peut choisir la cover qu'on va acheter séparément, qu'on va venir clipser, qui est imprimée et qui est interchangeable. Et puis le tout reste une enceinte à part entière que l'on va pouvoir mettre chez soi, couplée à d'autres enceintes, pour faire à la fois du multi-room mais aussi du Q-Symphony, c'est-à-dire qu'on peut à la fois utiliser le son de sa télévision mais aussi des music frames pour augmenter le son de son intérieur. L'idée est très cool, mais elle reprend quand même un peu ce que fait aujourd'hui IKEA avec Sonos, avec la gamme Symfonisk. Si ça se trouve, Samsung est passé chez IKEA il n'y a pas longtemps. Mais là où j'en aurais attendu un peu plus, c'est qu'en fait, la cover devant est fixe. J'aurais bien voulu que ce soit un écran et qu'on puisse avoir, par exemple, quand on écoute un album de Metallica, la cover qui arrive et que dès qu'on change de musique, la cover change. Ça aurait été juste trop cool. Peut-être que ce sera dans une V2. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est un peu dommage. Côté prix, date de sortie, il n'y en a pas encore, mais ça sortira en France. Après, de vous à moi, tout ce qui se passe au CES, habituellement, il n'y a pas de date de sortie puisque c'est présenté en gros ici et ça sort durant les prochains mois. Autre produit introduit par Samsung, c'est la télé transparente. C'est pas si nouveau que ça en tant que tel puisque des télé transparentes, ça fait des années qu'on en voit un peu partout, surtout ici au CES. Mais là, cette année, c'est un peu l'année des télé transparentes comme c'est l'année de l'intelligence artificielle. Sauf que les télé transparentes, c'est palpable, on peut le voir et franchement, ça a de la gueule. Samsung a donc décidé de proposer ici une télé transparente en micro LED, qui est leur technologie un peu d'assemblage de dalles qui sont infinies, où en fait on peut, à partir d'une télé de 20 pouces à une télé de 85 pouces à 150 pouces, juste en collant des dalles. C'est juste bluffant. C'est 1000 euros le pouce, donc c'est très cher. Ici c'est du transparent, ils ont réussi à transformer ces dalles micro LED en quelque chose de transparent et juste le rendu est génial. C'est trop stylé. Après, bien entendu, encore une fois, ça ne va pas sortir demain et surtout il n'y a pas de prix aujourd'hui. L'utilité aussi, si on se demande à quoi ça pourrait bien servir une télé transparente, mais à mon avis ce serait plus pour du B2B dans des bureaux, dans des magasins. Vous avez une vitre, vous avez les prix, c'est un peu de la réalité augmentée en soi, puisque aujourd'hui dans sa voiture on a des tableaux de bord qui intègrent l'affichage tête haute. C'est juste beaucoup trop pratique. Peut-être que demain dans des magasins ce sera le cas, qui sait. Ou alors sa fenêtre de chez soi sera une télé transparente et on aura les widgets, la météo, qu'on pourra contrôler sa maison connectée, un peu comme, oui, dans Iron Man. Moi, ça me fait rêver en tout cas. Sauf que Samsung n'est pas le seul, pas du tout, à présenter des télé transparentes. Tous les stands ici au CES en ont. Et LG en fait partie avec une télé transparente, cette fois-ci OLED, et qui a une petite particularité, c'est d'avoir un volet déroulant à l'arrière qu'on peut activer ou désactiver pour, d'un côté, avoir une télé 100% transparente, et de l'autre, si on a besoin et envie de regarder du contenu vidéo, d'avoir vraiment un fond noir pour mieux profiter de la qualité vidéo en OLED, puisqu'on le sait, LG en OLED, ils sont juste trop bons. J'aime bien le concept. Encore une fois, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date de sortie, ce sont des concepts entre guillemets, mais je pense qu'à terme, ça pourrait bel et bien arriver. Et LG l'a vraiment mis en valeur sur son stand avec des cas précis, des cas d'exemple qui montrent un peu ce à quoi ça pourrait servir. Et j'aime vraiment bien l'idée. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez des télé transparentes. Et pour rester dans l'univers un peu des écrans, il faut savoir que Samsung ici a une division, c'est Samsung Display, et ils m'ont montré leur prototype d'écran pour des smartphones, pour des ordinateurs, des accessoires, voire même des voitures, des prototypes qui sortent entièrement de l'ordinaire et qui montrent un peu ce que l'on pourrait avoir demain dans nos mains via des écrans un peu particuliers. Il y a le Flex Lipple, qui est l'idée en fait de courber l'écran sur la tranche de votre smartphone, là où aujourd'hui un écran pliant se plie dans un sens ou dans l'autre, on le sait, les folds ou les flips. Et là, en fait, il courbe l'écran sur les tranches pour, pourquoi pas, afficher des notifications, la batterie et je ne sais quoi. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ou en tout cas, ça a un peu existé à l'époque avec le Galaxy Edge de chez Samsung. À voir si un jour ça ressort sous une autre forme. Il y a le Flex In and Out qui reprend vraiment l'idée du Galaxy Z Flip qu'on connaît, sauf au lieu de se plier que dans un sens, il se plie également dans l'autre sens. Pareil, est-ce qu'un jour ce sera disponible à grande échelle? Je ne sais pas, mais franchement, j'aime bien l'idée. Il y a le Flex Hybride. Lui, pour le coup, c'est la possibilité à la fois de se plier, on le connaît, mais aussi de se dérouler, comme Oppo avait pu le faire avec son Oppo X à l'époque. On tire, on déplie comme un parchemin. Ça existe en version smartphone, entre guillemets, petit smartphone. Ça existe aussi en version ordinateur. Faut voir l'utilité, bien entendu. Là, ça ne reste que des prototypes et des concepts, mais peut-être qu'un jour,
ce sera le cas. On va tout dérouler. Ce serait stylé, non? Et Samsung pense aussi à leur Galaxy Buds, oui, les fameux écouteurs. Sauf que là, ils ont rajouté un petit écran sur le boîtier, un peu comme ce que peut faire JBL, et un peu comme ce que j'aurais bien voulu qu'il y ait sur Music Frame. Un écran qui permet d'afficher à la fois la cover de votre musique, les contrôles du volume, de la musique, voire même pourquoi pas la batterie ou la connectivité. J'aime bien l'idée, est-ce que ça sortira un jour? Pareil, on ne sait pas, mais Samsung en tout cas l'a fait. Et comme on est au CES et que CES c'est aussi les voitures et les concept cars, Samsung c'est aussi un fabricant d'écrans pour les voitures, toutes sortes de voitures. La première aujourd'hui qui me vient en tête, c'est Mini. On le sait, la nouvelle Mini 2024 électrique aura un écran central circulaire qui a été fait par Samsung. Il est juste bluffant. J'avais pu découvrir un peu cette Mini il y a quelques mois. J'ai hâte de la tester cette année avec cet écran qui a été fait par Samsung. Et puis, on voit par-ci par-là des prototypes qui sortent de l'ordinaire. Déjà, il y a l'écran qui se plie et qui se déroule, qui fait un peu penser à l'écran qu'on peut retrouver, pourquoi pas, dans Taxi, le film de l'époque. Il y a un écran qui peut se dérouler depuis le plafond. On imagine les passagers à l'arrière qui se déroulent ce petit écran qui sort du plafond pour regarder un film ou contrôler la musique. Bref, Samsung a de la suite dans les idées, sur la voiture et pour le quotidien. J'ai très très hâte de voir ce que le futur nous réserve. On continue avec Samsung, je vous l'avais dit. Samsung a beaucoup d'annonces ici au CES avec son petit robot qui s'appelle Bali, qui est une petite nouvelle génération de ce qu'ils avaient déjà présenté en 2020 avec un autre robot mais qui n'était jamais sorti. Celui-ci est voué à sortir. Je vous l'annonce direct, pas de prix ni de date de sortie précise, mais ça devrait arriver en France. Un robot pour la maison, un robot qui roule, qui est intelligent, qui répond à la voix et surtout qui embarque un vidéoprojecteur pour nous projeter au plafond, sur des murs, voire même sur le sol, tout un tas d'informations. Vous faites du sport et des abdos, eh bien vous pouvez dire à Bali de vous envoyer au plafond votre vidéo. Vachement pratique. Vous êtes en train de cuisiner, vous pouvez dire à Bali d'envoyer sur le mur de votre cuisine, eh bien la recette. Quelqu'un sonne à votre porte, tout est connecté via SmartThings, vous aurez la vidéo de la sonnette sur votre mur. Il y a votre four qui vient de se terminer, il embarque une caméra intégrée, et bien vous aurez la visualisation de l'intérieur de votre four sur votre mur. Vous voulez appeler quelqu'un, Bali pourra le faire. Vous voulez envoyer un message, Bali pourra le faire. Vous voulez regarder un film, Bali pourra le faire. Bref, c'est un robot multifonction pour la maison, pour le quotidien, qui nous suit partout et qui répond à nos demandes, et qui est surtout interconnecté avec tout l'écosystème Samsung. Si Bali voit que votre chien a renversé ses croquettes, il va donner l'ordre à l'aspirateur d'aller aspirer les croquettes. Et ça, je trouve ça génial. À voir quand ça sort et à quel prix, mais l'idée, j'aime beaucoup. Et enfin, dernière chose ici pour cette première vidéo au CES de Las Vegas, c'est une voiture, ou en tout cas un concept car de chez LG, qui s'appelle Able, à vous de voir comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a le A de Alpha devant, qui est un peu la vision de LG pour la voiture de demain. Ils partent du principe que demain, la voiture se conduira toute seule. Ça, je pense qu'on l'a compris. Mais du coup, il va falloir s'occuper dans sa voiture. Donc LG se dit que la voiture doit devenir un salon. Un salon dans lequel on va avoir des occupations et un salon qui est modulaire, transformable. Donc vos sièges vont pouvoir se tourner dans tous les sens. Vous allez avoir un rail central qui vous amènera ce dont vous avez besoin. Vous voulez jouer aux jeux vidéo, et bien de par le coffre, la manette arrivera devant. Vous voulez boire un verre, manger un bout. De par le coffre, eh bien vous allez avoir votre plateau repas qui arrivera ou votre bouteille de champagne. Vous voulez regarder la télé, vous aurez un écran qui arrivera. Vous voulez conduire, vous aurez le poste de commande qui arrivera avec un volant. Bref, c'est un concept ultra futuriste, bien entendu, qui ne sortira jamais en tant que tel, sauf peut-être dans 100 ans. Mais c'est ça la vision d'AG sur la voiture, avec des écrans de partout, des écrans flexibles, des écrans transparents et surtout un habitacle totalement modulaire, et j'aime bien. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les voitures connectées, surtout futuristes. Donc voilà, cette première vidéo ici au CES de Las Vegas, je vais continuer dans les allées à découvrir peut-être des nouveaux produits et vous faire une deuxième vidéo. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.